Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour cet épisode 44 de la série Minecraft. Donc pour ce début d'épisode, je vous ai fait une petite cinématique en mode je me balade parce que tout simplement j'avais enregistré le moment où j'ai un peu ajouté de la végétation, fait les routes et tout, et le replay mode Minecraft carrément a planté. Donc du coup j'ai pas pu récupérer les fichiers, donc ça a été un pur carnage. Donc du coup j'ai opté pour ça, une petite cinématique et tout avec des petits sons de nature, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu, voilà, comme mise en bouche pour cet épisode. Donc là c'est la nuit, mais je trouve que c'est sympa aussi quand il fait nuit, vous voyez. C'est plutôt cool. Alors la semaine dernière, voilà, j'ai laissé toutes mes shulkers là. Donc j'ai consommé pas mal de bois, hein. Il y avait shulkers pleines. J'avais 3 shulkers de bois de sapin et voilà ce qui me reste. J'ai rien rangé, clairement. Et mon inventaire est blindé de trucs. Donc enfin je range tout ça, les amis. Et pour la suite de l'épisode, tout simplement, on va faire une usine à glace parce que, bah, comme vous le savez, je dois refaire le Nether. Donc, j'ai pas envie de m'amuser encore à aller déglinguer tout un biome où il y a de la glace et tout. Donc, du coup, j'opte plutôt pour faire une usine où je pourrais y être AFK. Donc, voilà. Donc, j'ai ajouté de l'éclairage par-ci par-là au niveau des sols. Attendez, je vais vous montrer. Là ici tout simplement il y aura un chemin parce que de ce côté-là il y aura un autre build. Il y a un petit donjon là-bas. Donc je vois qu'il manque peut-être un peu d'éclairage par-ci par-là. Donc faut que je regarde à ça. Et bim les amis. Yes, on est ravis, on est ravis, on est ravis. Creepy, creepy, bienvenue à toi chez moi. Donc heureusement que j'ai des petits trucs sur moi vu que je viens de le faire les amis. Mais voilà, je suis pas très enjoy à l'idée qu'il y ait des creepers, donc il va falloir que je m'attarde à mieux éclairer tout ça. Bon, vous me direz, je me balade pas trop normalement la nuit. Mais bon, là, je voulais vous montrer un peu de nuit comment ça rendait l'endroit. Bon, je trouve ça très gentillet et tout. C'est vraiment beau, je trouve. Après, voilà. On aurait peut-être pu faire mieux, mais moi j'aime assez comme ça. Donc j'ai rajouté des petits lampadaires ici sur la place, histoire voilà d'avoir des lampadaires comme on a dans le village. D'ailleurs, il faudra peut-être que j'en rajoute par-ci, par-là. Par exemple, ici, il faudrait que j'en rajoute un, vous voyez. Tac-tac, on prend tout ça, on prend ça, on prend ça. Non, pas ça, on prend ça, les amis. On prend ça et on prend des petits blocs des familles. Ouais, par-ci, par-là, il faudrait peut-être que j'en rajoute. Ici au bord des routes, histoire de d'avoir quelques panneaux. Parce que c'est vrai que j'en ai pas mis. Ah, je me foire, les amis, c'est pas possible. Je me foire. Non, je vais pas aller loin avec une hache pour enlever ce petit muret. Oula, il y a eu un rollback, les amis, là. J'ai pas tout compris à ma vie. Ok. Pourquoi pas Minecraft? J'aime pas trop quand il y a des petits lacs comme ça en solo. C'est pas bon du tout ça les amis. Voilà, vous voyez, il va falloir que je rajoute des petits lampadaires par-ci par-là. Là où il y a les routes. Mais au moins c'est décoré, il y a de la végétation et tout. Et je trouve ça beau moi quand il y a de la végétation. Donc je vais essayer de trouver un biome glacé qui est pas loin de la base. Histoire de pouvoir faire la petite usine à glace. Parce que sinon il faut se mettre dans un biome montagne. Et se mettre au 95e bloc. Donc j'ai pas trop envie de faire un truc. J'ai pas trop envie de faire un truc en hauteur. Donc je préfère faire un truc à même le sol. Donc j'ai essayé de trouver un petit biome neige à côté de chez nous. Voilà, tout simplement. Et je vous reprends dès que je peux faire la suite de l'épisode, les amis. Re tout le monde. Donc on se retrouve ici. Donc j'ai trouvé une montagne qui est assez haute et qui est pas trop mal en vrai. Comme ça, si plus tard on veut faire autre chose autour de l'usine à glace, on pourra. Le lieu s'y prête plutôt bien, donc va falloir que je terraforme un tout petit peu histoire d'avoir de la place. Mais on est quand même assez haut, à 116, donc on devrait être bon. Donc c'est parti les amis, je terraforme un petit peu tout ça.
Alors les amis, c'est parti, donc j'ai aplani un peu l'endroit, donc voici un peu la première plateforme pour l'usine à glace. Donc l'usine à glace, j'ai regardé la vidéo de Golden et il s'est inspiré d'un américain, donc faut se dire que c'est pas de moi, hein, vous vous doutez bien, moi et la redstone ça fait 10, mais j'en fais quand j'en ai besoin, donc là on en a besoin. Donc tout simplement il va vous falloir une plateforme de 5 de long parce que tout simplement on va faire le tour comme ça dans un filet d'eau pour pouvoir casser la glace en gros. À chaque fois qu'elle apparaît on va devoir faire un tour tout au toit. Donc là il faut utiliser du bois parce qu'on va devoir utiliser une pioche avec du steel touch, donc du touche à toit, pour pouvoir casser la glace et la récupérer tout simplement. Donc ce qu'il faut faire les amis, c'est tout simplement déjà ici hop on va mettre des petites dalles parce que devant on va avoir de l'eau, c'est pour éviter que l'eau s'étende de l'autre côté, d'accord? Là ici on va avoir de l'eau ici qui va être couverte, donc il faut que sur les côtés et là dans le fond, donc il faut qu'on place des dalles ici en position basse, hop, sur le bloc du dessus. Tac. Allez, allez, on va y arriver les amis. Hop. Alors vous pouvez faire la longueur que vous voulez. Moi là, je sais pas, j'ai fait une distance, mais je sais pas combien. J'ai fait en fonction de la montagne, la taille que j'allais avoir besoin. Parce que là autour, il va falloir faire le contour. Et je vais la décorer un petit peu, histoire de pas avoir un truc tout moche, quoi. Du coup, maintenant, derrière, il va falloir ici mettre un bloc, bien évidemment. Hein. Hop, ici à l'arrière. Donc moi, je vais en mettre deux parce que derrière, on va avoir le filet d'eau. Donc autant de... Autant mettre directement nos murs histoire d'être tranquille. Hop, on va placer ça. De toute façon, on a ce qu'il faut, du bois. On n'en manque pas, les amis. Hop. Alors, maintenant, on va aborder le côté technique. Donc, ici, il faut casser. Et pareil à l'autre bout. Donc, ici, tout simplement, on va casser et on va mettre un piston ici. Un piston collant, bien évidemment. Hop, comme ceci. Et on remet le bloc dessus. Hop, derrière, on va venir, tout simplement. Et on a notre piston qui est là, quelque part. Ah, voilà, les amis. Alors, j'ai galéré à trouver mon piston. Ne me demandez pas pourquoi. Mon cerveau a eu un bug. Donc, on va mettre un répéteur ici, comme ça. Ici, on va avoir notre bloc. Donc là, on met notre petite torche de redstone. Et dessus, on va mettre tout simplement une plaque de pression. Et voilà, comme ça, le piston, il va être ouvert là. Et dès qu'on passe sur la plaque de pression, il va se fermer. Ce qui va permettre au courant d'eau de se recréer, histoire de pouvoir toujours avoir une production de glace, en gros. Donc, tac, on referme tout ça, les amis. Tac, comme ça. Donc, de l'autre côté, par contre, ça va être différent. Donc là, on a cassé le bloc, d'accord. Mais ici, il va falloir tout simplement mettre un piston. Donc ici, les amis, tout simplement, on va mettre un bloc. Et là, à l'arrière, on va tout simplement y placer un piston. Un autre piston collant. Hop. Et en gros, le bloc va se rétracter ici. Et ça va permettre au courant d'eau d'être stable et de pouvoir se recréer dès qu'on sera passé sur la plaque de pression qui sera à l'arrière. Tac, donc ici il va falloir mettre une deuxième plaque de pression. Donc voilà le côté redstone de l'usine à glace. Donc après il va falloir qu'on fasse notre chemin de glace tout autour. Hop, donc là il faut fermer comme ça. Tac, et là ici vous allez avoir tout votre chemin de glace tout le long parce qu'il va falloir que vous fassiez le tour. Hop, tac, donc on va placer nos blocs. Bon, ça va pas rester comme ça à terme, mais c'est juste pour vous expliquer le côté comment ça fonctionne en gros. Hop, donc ici, ici. Non, faut qu'on décale encore de 1. Parce que ici, tac. Voilà. Ici, comme ça, les amis. Hop. Et on va devoir faire tout le contour. Tac. Tac. Et tac. Et là, ici, il va falloir qu'on casse tout ça et qu'on y mette de la packadice. Parce qu'en gros, on va avoir un chemin d'eau sur lequel on va se balader pour pouvoir tout simplement casser la glace quand elle sera créée. Donc, on va mettre de la glace compactée, de la packadice. Ça fera l'affaire, les amis. Hop. On va casser ça. On va faire un petit dodo histoire d'être tranquille. En gros, ici, tout le contour va falloir faire ça. Mais ici, il va falloir que vous ayez un mur de 2 de haut. Parce que il va falloir qu'on empêche l'eau qui sera là de tomber. Là où le joueur sera en train de se promener sur le chemin. Tac. Donc, hop. Comme ça.
Tuk. Mes panneaux. Ils sont là, les panneaux, les amis. Et là, ici, tout le long, il va falloir mettre des panneaux. Hop. Hop, hop. Comme ça. Tac. Hop. Voilà, donc tout le long, on va mettre nos panneaux. Comme ça, en gros, quand on aura posé l'eau ici, elle pourra pas tomber là. Donc elle aura pas d'influence sur le joueur. Donc c'est ce qu'on veut. Hop là. Donc voilà, ça c'est fait, les amis. Bon, maintenant il va falloir prendre en compte qu'il va falloir faire un chemin d'eau. Donc attendez, je vais refaire des panneaux. Les amis, ici il va falloir faire notre chemin d'eau, comme je disais. Donc j'ai refait des panneaux. Et ici, tout simplement, on va faire en sorte que le joueur puisse entrer et sortir. Donc tac, comme ça. Et non, pas comme ça. Hop. Voilà, comme ça la personne peut rentrer, nous on peut rentrer, vous voyez, tac, comme ça, et là on peut sortir, vous voyez. Comme ça c'est accessible pour le joueur et on peut rentrer et sortir comme on veut. Donc voilà, donc maintenant il va falloir qu'on fasse notre chemin de glace ici, quoi, tout simplement. Donc là je vais mettre un panneau ici, ici on va mettre la glace, donc tous les trois blocs vous mettez un panneau, tout simplement. Ah oui mince, du coup elle s'est déjà transformée. Ah voilà les amis, j'ai réparé le problème, j'ai mis quelque chose au-dessus de ma source d'eau, comme ça on sera tranquille. Donc tous les trois blocs, vous mettez tout simplement un petit panneau, des familles comme ceci, pour pouvoir faire votre chemin d'eau, de glace. Parce qu'il faut quand même qu'on ait... Faut pas qu'on stagne. En gros, faut vraiment que le courant soit vraiment continu pour pas qu'on stagne et qu'on maintienne notre clic de pioche pour pouvoir casser nos blocs. Donc ça, tac, ici trois blocs. Et là, on va faire la même. Donc, 2, 3, 4. Donc, je vais le mettre ici. Là, on va mettre 4 blocs juste pour le tournant, les amis. Et ça fera l'affaire. Et on va être embêté avec notre plaque de pression. Donc là, vous voyez, tout simplement, il va falloir que je mette de la glace partout. Il va falloir que je mette des panneaux, que je mette mes sources d'eau tout le long, vous voyez. Donc ça, je vais vous le faire en timelapse, tout ça. Et on se retrouvera après quand j'aurai fait tout ça, les amis. Les amis, on se retrouve donc après ce petit timelapse pour vous montrer un peu la construction de l'usine. Donc il manque plus que l'eau à placer et l'usine sera fonctionnelle, les amis. Alors, donc on va descendre. Hop. On va refermer ça, bien évidemment. Donc, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire également, c'est que en gros, là, le bloc, il permet aussi à l'eau de se déverser et pas d'être tout de suite bah, statique, en gros, pour pouvoir faire tomber les items qui seraient là, quoi. Afin de pouvoir faire le stockage qui est là-bas, là où j'ai fait l'escalier durant le timelapse. Donc, hop, c'est parti. On va enchaîner avec ça. Tac. Ouais, c'est pas compliqué à faire, les amis. On va pas se mentir, c'est pas... Mais il faut mettre de l'eau et c'est tout, quoi. Et rouler jeunesse. Hop, on met l'eau comme ça. Si elle veut bien se placer où il faut. Et bien évidemment, il va bientôt faire nuit. Sinon, ce n'est pas drôle. Hop. Alors, je vais casser ce bloc-là temporairement. Le temps de mettre l'eau. Tac. Ah. Ah, d'accord, j'ai pas mis la flotte là. J'ai bien mis la flotte là, j'ai pas mis dans la dalle. J'ai l'impression qu'il y a un endroit où je me suis foiré, les amis.
On est bon, on est bon. Là, non, pas le lit, le bloc. Et là, il n'y a plus qu'à attendre que tout se transforme, bien évidemment. Là, vous voyez, par exemple, ça coule parce que là, le bloc s'est pas créé. Donc, du coup, ça n'a pas mis en marche le système. Donc, en gros, il faut faire déjà un tour de manège, on va dire. Et vous êtes comme ça et vous maintenez votre clic. Hop. Et il faut bien vous coller au bloc qui est là, hein, par contre. Vous voyez, comme ça, vous maintenez votre clic droit, enfin gauche, pardon. Et hop, vous avancez tout doucement et hop, et ça part, d'accord? Donc, ensuite, il manque une chose, c'est le stockage. Parce que là, il faut attendre clairement que tout pousse. Parce que là, on a l'impression de ne pas avancer alors que ça avance et que ça marche très bien. Tac, tac. On va dormir vite fait. Alors les amis, on a dormi, c'est bon. On va se débarrasser du creeper. Histoire d'être tranquille. Voilà. Et ici, bah, bien évidemment, il faut faire le stockage. Donc ici, on va mettre des hoppers. Comme ça. Hop. Donc, tac. Hop. Les trois coffres des familles ici. Tac. Ah. Ça va être le truc un petit peu casse-pied. Et remonte le courant. Ah, ah, attendez. Alors ça, c'est toujours la galère avec moi. Ah, il est dans mon inventaire, c'est bon. Hop, on l'a récupéré. Voilà, comme ça, on va traverser. Tac. Et hop, il va tourner, etc. Donc là, on est bon, les amis. Hop. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, il faut que j'attende que tout ça devienne de la glace, histoire de faire un tour et voir que les choses marchent bien. Normalement, ça devrait être OK, les amis. Hop. Hop. On sort de là. On va rajouter les autres coffres. Et je vais faire un tour dans l'usine dès que toute la glace est créée, les amis. Comme ça, je vous montrerai tout à l'heure le résultat des opérations. Donc, les amis, j'ai attendu, j'ai fait ce qu'il fallait et j'ai eu un stack plus 27. Donc, c'est pas si énorme que ça. Il faudrait vraiment la faire beaucoup plus grande pour avoir un gros rendement. Mais bon, écoutez, voilà, c'est toujours ça de fait. Au moins, on a vu une petite usine. Donc, voilà. Moi, ça va me permettre de farmer un peu pour pouvoir faire les couloirs et tout au fur et à mesure des semaines qui vont arriver. Les amis. Donc là pour la suite de l'épisode, j'aimerais bien un peu me concentrer sur les achievements. Donc j'aimerais réussir à faire celui de découvrir tous les biomes. Donc je vais essayer de partir à la recherche d'un biome mushroom parce que on n'y est pas été, c'est sûr. Mega Taiga, je crois pas que j'y suis allée non plus parce que clairement le code que j'ai utilisé, je l'avais craft et bah la le puzzle, pardon. Tout simplement, grâce aux arbres, maintenant, on peut en avoir facilement. Donc, du coup, j'avais pas été dans ce biome-là. Et je sais même pas si j'étais dans un biome flower. Donc, je vais essayer de me promener dans la map et essayer de voir les biomes que j'ai pas encore croisés. Histoire de faire cet achievement avant la fin de l'épisode, les amis. Donc, je vous retrouve dès que j'ai avancé dans ces opérations-là. Les amis, j'ai trouvé une île champignon. Mais regardez la génération, comment elle a été mal faite. Comment on peut encore voir des surfaces comme ça dans MC aujourd'hui, quoi? Mince, mais c'est... Enfin, je trouve ça dingue. Enfin, c'est vraiment laid, c'est affreux, les amis. Heureusement que je cherchais pas ni le mushroom pour m'installer au début de partie, parce que purée, là, c'était too much, hein. Bah écoutez, j'ai trouvé deux biomes en plus, donc certainement les deux types de biomes d'île champignon. Donc faut que je continue pour pouvoir tout simplement avoir tous les achievements, mais je voulais vous montrer un peu cette génération pourrave qu'il y avait eu. Voilà, tout simplement. Les amis, on se retrouve. Donc je suis à 41 biomes sur 42. Donc j'ai découvert un biome neige où j'ai exploré à fond le biome neige, histoire de voir pour avoir un biome Pack-a-Dice. Donc j'en ai un sous les yeux. Clairement, je pense que je vais fermer de la Pack-a-Dice ici tant que j'y suis. Voilà, parce que clairement, il est très très loin de la maison. On est en moins 8300 alors que la maison elle est en 600 à peu près, je crois.
Donc on a fait un sacré bout de chemin. Donc ça va, il me reste 2 stacks plus 41 de fusées. On est plutôt bien. Mais voilà quoi. On a un biome Pacadize. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de biomes glacés que j'avais pas croisés, je pense. Donc il devait y avoir le biome Pacadize et un ou deux biomes. Enfin un biome de. Un biome neige tout court quoi. Je ferme un petit peu et ensuite je vais à la découverte. Je pense qu'un méga taïga ou une forêt. Une flower forest, je pense que j'ai pas eu, donc on va essayer de trouver ces biomes-là, les amis. Donc c'est parti. Les amis, on se retrouve. Donc j'ai passé pas mal d'heures à me balader dans la map. Donc c'était un des biomes glacés que j'avais pas trouvé. Donc vous avez vu, partout à l'aventure, je l'ai eu. Je ne sais pas. C'est quel biome? Je pensais que c'était le Snowy Beach, mais je le vois pas au niveau des noms. Donc écoutez, je suis ravie. Cet achievement est fait, les amis. J'ai passé pas mal d'heures à me balader sur la map. Et je vous avoue que j'en avais un petit peu marre à force. Donc, on a eu cet achievement. Donc, on est ok. Donc, il va falloir qu'on fasse ça. Rendez un pillard la monnaie de sa pièce. Ok. Tuer 2 fantômes avec une flèche perforante. Wow, il y a des nouveaux achievements. C'est vrai que là, 1.14. Alors là, il va falloir qu'on trouve quel animal on n'a pas buté. Quel mob. Duel de sniper, ça devrait aller. Foudroyer un villageois, ça devrait aller aussi. Ah, ça par contre, ça va être plus compliqué, se mettre tous les effets, amener... Ah, il faut qu'on amène un gaz dans l'overworld. Ah, ça va être chaud par contre. Ça, 7 km dans le nether, il suffit de poser des rails, quand on aura refait les couloirs, ça ira. Je pense que la prochaine fois, on ira dans l'end. On essaiera de faire celui-là, 50 blocs de hauteur, après l'attaque d'un shulker. Ça pourrait être sympa. Et ici, bah, l'alimentation, ok. Ah, il faut qu'on apprivoise tous les chats maintenant. Ok, donc 11. Et il faut qu'on reproduise 2 par 2 les mobs. Donc on en a 12 sur 14. Ah, les vaches champignons, on n'a pas dû les faire. J'aurais dû le faire tant qu'on est au biome mushroom. Ah, j'ai zappé les amis, dommage. Il faudra qu'on y retourne du coup. Bon, bah écoutez, ma foi, c'est fait. On a réussi cet achievement. Je suis contente. Un de fait. On va essayer de tous les faire un par semaine. On va essayer de s'en faire un, histoire que quand la série se termine, on ait fait aussi les achievements du jeu, les amis. Donc je vous laisse là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le liker et à le commenter afin d'avoir des retours sur l'épisode. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour le suivant. En attendant, portez-vous bien les amis, des bisous à tous et à la prochaine. Bye bye!